bien que Séville est aujourd'hui une des villes les plus sportives de la communauté urbaine. On va en parler. Je voudrais saluer mes collègues des différentes communes de l'agglo qui sont avec nous ce soir, et les personnalités du monde du sport aussi, puisque si la mairie est bien engagée, il y a aussi une dynamique de la communauté urbaine, il y a un travail avec Jeunesse et Sport, il y a un travail avec le Conseil Général, avec le Conseil Régional, avec les entreprises aussi, avec tous les comités, les ligues, les fédérations, etc. C'est tout ça qui est essentiel. 2000 licenciés, plus de 10 000 habitants, un calcul rapide, ça fait plus de 20% des Maxédinois qui font du sport. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Et il en faut encore d'autres. Il y en a... Moi, ça me fait plaisir de revoir le stade d'Arnis parce que franchement, c'est une réussite. On peut revenir en deux mots sur ce stade qui a été fini il y a quelques temps maintenant, qui est un symbole aussi de ce quartier qui est en mouvement, qui bouge. C'est un quartier qui bouge. Le plateau de Haye maintenant est vraiment bien avancé. Et d'Arnis au milieu du plateau, c'est quand même l'idéal. Pour il y aura la même pelouse à Nancy bientôt. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est la même pelouse au stade Picot. Ils ont copié sur nous. Voilà. Bon, écoutez Serge, merci pour toutes ces infos. Je vous propose de les remercier, de les honorer, monsieur le maire et Serge. Monsieur le maire, à moins que vous ayez quelque chose à nous signaler avant qu'on remette des labels. Voilà, je crois qu'on va commencer par remettre les labels et puis au fur et à mesure, on aura peut-être ajouté. Voilà, on pourra ponctuer parce que c'est important. On voulait vous montrer que la ville est avec vous à travers ce label qui va être remis à travers un diplôme par mademoiselle. On va vous donner le DVD de ce que vous avez vu tout de suite, et ce DVD, on rappelle monsieur Bégor que c'est ce DVD qui vous servira à aller voir les... On doit avoir la personne qui s'en occupe, c'est Étienne Lavigne. Il est là, Étienne, voilà, vous passez par là, Étienne. Équipe 1, National 2, équipe féminine pré-nationale, c'est pas mal, hein, belle équipe, l'Alerion Tennis Park avec 300 heures d'initiation de tennis. On salue Amnésia qui va peut-être nous rejoindre. On aura aussi des associations à qui on remettra les diplômes un peu plus tard. L'association Arc-en-Ciel qui est saluée également autour du corps et du bien-être. Il y a normalement l'association du collectif de quartier des zones qui doit être là avec Christian Lintin. Et là, Christian, le voilà, et ça sera probablement perdu. Le Racing Club de Maxéville, il n'a pas mis ses deux vélos. Il n'a pas monté en vélo, On a mis, il va avoir la Coupe européenne. Je pense que c'est bien dans ces villes de l'Université. On salue Jésus Noguera, il y a Boule du Manon, on salue la Boule d'Axelois. Ça va, ça va. Tous les petits bonhommes rejoignent. C'est et le Swatch Badminton du Rennes avec Gilles de Pigeon et 241 adhérents dans le Swatch. On est dans les applications partout dans les différents. Alors, normalement, vous allez toutes avoir, vous et tous avoir des diplômes. Madame, si vous pouvez mettez-vous devant quand même. Madame la présidente. Alors voilà, ce sont tous les présidents qui sont présents ce soir, d'autres sont représentés. C'est une reconnaissance officielle, c'est utile notamment pour démarcher des entreprises. Vous aurez ce qu'il faut comme information à leur donner. Signature du maire et de Serge Elfouni. Merci beaucoup, monsieur.
vérifier. Ils sont pas là. Ils sont pas arrivés. Bon, alors on va les leur donner. La boule du bâton. La boule du bâton. Ils sont pas là non plus. La boule maxédéloise. Ah, ben voilà. Maxémis, bord de combat. Ils étaient pas là tout à l'heure, hein, je crois. Ouais. Olivier, tu les bloques. Parce qu'ils sont dans les récompenses après pour le jeune Maxémis. Ouais. Vous voulez dire que le jeune là, oui, avec le rat. Voilà, représentant du président. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur le maire. Bonsoir. Et puis voilà, avec les autres présidents. Voilà, avec les présidents qui sont là. Oui, Marcel est là. Et vous l'avez poussé ce mot, je trouve, pour Marcel. Ouais. Hein? Monsieur le maire, madame la présidente. Toujours des places pour le handball. Alors, mais allez-vous la laisser? Non. Quel est le résultat, madame la présidente? Eh bien, nous avons gagné la coupe interdépartementale de la région. On a battu la Moselle, la Meuse et les Vosges. En même temps, c'était... Oui, c'était un coupe interdépartementale. On est champion également du département. Les filles sont vice-championnes voilà, du département. Et voilà, les petits sont arrivés troisième de leur but. Donc là, on ne peut pas faire de différence entre le haut et le bas. Par ailleurs, le terrain Laurent Luzy ne va plus être disponible puisque dans les prochaines semaines, il va devoir être utilisé dans les travaux autour de la station d'épuration par rapport à un bénévole qui s'est beaucoup impliqué, dans lequel ça correspond à 40 ans d'investissement. C'est Claude Chemel, qui est vraiment un des piliers du foot à Maxéville. On sait qu'il arrête, je crois, cette année. Je crois qu'il va continuer, parce qu'il n'a que 30 ans, c'est ça, 32 ans. 32 ans, mais vous continuez. Voilà. Donc, on félicite des bénévoles comme lui, comme eux, comme chacun d'eux. Et puis, je crois que vous saurez, au travers de votre expérience et votre sagesse à tous les deux, aider à scier un vrai club de Maxéville. Un vrai football club maxévillois. Voilà. Le nom, le football club maxévillois. Voilà. Et ainsi, on va demander aux deux messieurs, bonsoir monsieur, enchanté, très honoré, monsieur, pareil, voilà. Enchanté, bonne chance pour la suite. Bonne chance pour la suite. Robert. Robert, Robert et Jean-Luc. Voilà. Hein, et je crois qu'on peut les applaudir encore. Et puis leur souhaiter longue vie. On va leur demander de venir à tous les deux. Ouais. Hein. Donc Alain et Michel Enzen. Voilà. Je crois que l'un sans l'autre, ça va pas être une intelligence. Alors, vous êtes prêts par le tour. Alors, c'est le lancer du volleyball, Maxime Charlie. Le Nancy volet Maxéville. Il opère donc en Ligue B. Donc tous les matchs de l'équipe première se jouent à Marvin. Et comme vous l'avez vu dans le petit film, ils font ça de comble tous les samedis. Alors un grand bravo à eux. Merci à l'équipe. Le DVD, où est-ce qu'il est le DVD? Il a resté le DVD. Ah, voilà. Tiens, le DVD, voilà. Ce que je voudrais dire par rapport au volet, c'est qu'effectivement, Maxéville aujourd'hui est un petit peu le chef de file, puisque grâce au partenariat qu'on a pu développer, grâce à l'ambiance aussi qu'il y a au niveau de la salle Marie-Marvin, ben, je crois que de fait, c'est ça qui est un peu l'élément principal. Mais je ne sais pas si Marie-Catherine Dallot a pu arriver, je l'ai vu tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle pourrait peut-être passer, mais que ce n'était pas tout à fait sûr. Il y a un accord complet, évidemment, avec la mairie de Nancy, qui participe à des hauteurs financières. La région Lorraine, le département de Meurthe-et-Moselle aussi, sont des partenaires aussi qui s'engagent beaucoup.
on a bien compris, Michel et Alain, que pour l'année prochaine, vous avez une grande part du challenge sportif qui est prêt, mais que l'ensemble des conditions n'est pas encore complètement rempli. Je crois que la semaine prochaine, vous allez faire un peu la présentation de la prochaine saison, mais je crois que vous pouvez compter sur Maxéville de façon à être à vos côtés. Et je le dis à vous toutes les dirigeants de clubs bénévoles, ce qu'on fait pour vous, ce n'est pas au détriment du volet, ce qu'on fait pour le volet, ce n'est pas à votre détriment non plus. Il doit y avoir un équilibre. Aujourd'hui, un sport professionnel, c'est pour un certain nombre des jeunes, des possibilités de promotion. Vous le montrez bien, il y a une démarche très citoyenne, il y a une démarche aussi très éducative avec des écoles qui marchent bien, je peux en rajouter, mais on compte sur vous, et effectivement c'est sur plusieurs étapes. Question pour la photo, merci beaucoup mademoiselle. Voilà, non mais... Voilà, est-ce que monsieur le maire est au centre? Oui, le voilà. Eh ben voilà, parce que la photo, on va la garder. Hein. Voilà, allez, on sourit, là, on sourit les sportifs, là. Même le kick aussi, oui, là. T'aurais pu te rater, aussi. Et on change de centre. Change de jambe. Est-ce qu'on les applaudirait pas un coup pour les gens? De vous remettre ce petit trophée de Maxéville, et puis bon, vous avez aussi compris sur le plan des prochains stages, hein, sur le plan financier, tout ça. Et puis ça, je vais vous remettre quelques fleurs aussi, si vous voudrez nous dire un petit mot aussi. Ah, j'allais dire, je ne sais pas si monsieur le maire veut qu'on entende que les soutiens non, qu'il disait à Laura. C'est Laura qui a les fleurs. Voilà. Championne de France en junior. Voilà. Eh, c'est pas mal, hein. Championne de France en junior. Karaté. Oui. Eh ben. Un stage durant le mois de juillet pour continuer à préparer d'autres échéances. Quelles échéances vous allez préparer là, avec votre stage du mois de juillet? Bah, peut-être les championnats d'Europe pour l'année prochaine. Voilà, Maxime, le championnat d'Europe. Et c'est le fils de Gilles, petit Jean. Bonjour Alexandre, allez-y, monsieur le maire, Serge Alfouli. Alexandre, je suis heureux de vous remettre ce trophée et puis à la fois de vous féliciter pour tous vos résultats jusqu'à présent et puis de vous encourager naturellement pour la suite. Voilà. Voilà. Toutes nos félicitations et tous nos encouragements pour continuer. Vous avez quel âge? Je vais avoir bientôt 17 ans au mois d'août. Je crois qu'il a encore tout l'avenir pour lui. Hein, avec ça va aller tout encourager. Merci et bonne chance. Alors, membre de l'équipe de France, hein, c'est pas rien, hein, mine de rien. Et avancez devant, vous êtes trop timide, Maxime, venez par là. Allez, on va regarder une dernière fois, on va rappeler que Laura, elle est championne de France junior, hein, on a dit. Hein. Bon, ils sont habitués aux médailles, mais bon, voulez-vous que je vous dise? C'est pour vous, c'est pour vous. Sympathique. Et puis, je crois qu'après, on va vite enchaîner, parce que je crois que c'est... On est pile dans les quarts d'heure. Ouais, dans un quart d'heure. Voilà. Dans le contrat, on doit démarrer à 20. Donc, même 10 minutes. Mais bon, si on a encore quelques minutes, on pourra vous retrouver. Vous avez quand même un quart d'heure autour du buffet. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne soirée, tous nos encouragements. Bravo. Je vous souhaite encore une fois, mesdames et messieurs, s'il vous plaît.